De retour ici au stade Marcel Picot pour eh bien, le deuxième acte, après l'entracte, le deuxième acte bien sûr de cette finale de la Coupe de Lorraine. Et un premier changement, ça concerne Algrange avec la sortie de Céline Aubert qui va laisser sa place à la numéro 15. La numéro 15, alors c'est pas Céline Aubert hein, puisque Céline Aubert c'est du côté de Nancy. La numéro 3 du côté d'Algrange, c'est Malais. Malais qui laisse sa place à Gatrat, Juliane Gatrat. Voilà, sans doute du poste pour poste du côté algrangeoise. Je vais essayer de me mettre un petit peu dans la peau d'un entraîneur, savoir ce qui se passe un petit peu dans la tête d'un entraîneur. Qu'est-ce que vous auriez dit aux joueuses algrangeoises, mon cher Gabi, après cette première période? Le milieu algrangeois, qui est très très efficace, les deux demi-défensives sont d'une efficacité redoutable, mais je trouve qu'elles jouent beaucoup trop bas. Et donc, lorsque le ballon ressort du côté algrangeois, on part des 30 mètres pour arriver de l'autre côté, ça fait 70 mètres à remonter. Hein. Mine de rien, avec la chaleur qu'il fait. Donc, on est un peu trop. On fait un peu trop confiance au trio, au trident. Et il faudrait quand même que le milieu accompagne un peu plus les attaquants. Eh bien, on va voir si vos consignes, en tout cas, vont être respectées par les algrangeoises. Il me semble que c'était le discours également. Est-ce qu'ils regardent la télé, les joueuses là. Oui. Elles ont l'oreillette, vous savez, maintenant, avec le Bluetooth et le Wi-Fi, toutes ces choses-là. Elles ont l'oreillette, comme au foot américain. On est reparti, en tout cas, dans cette seconde période. Je vous rappelle le score, 0-0 entre Algrange et l'AS Nancy-Lorraine. Attention à Martins, là, qui cherchait une solution. Elle est bien prise, hein. Martins, on a l'impression que... Elles ont bien retenu les leçons, en tout cas de la saison dernière, les Nancyennes. Elles ont fait peut-être un dispositif un peu spécial sur cette numéro 10, très technique, hein, qui fait partie de ce fameux trident dont vous parliez. Ouh, aïe, 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 aïe. Et ça y est, les hostilités démarrent ici à Marcel Picot. Avec, c'était tout simplement Oswald qui a joué des coudes hein, sur ce duel. Et c'est une façon aussi d'imprimer le rythme. Et de marquer son territoire dans cette seconde période. Après son intervention plus... un tant soit un peu rugueuse, en tout cas, elle est restée de marbre. Hein. Ah oui, non, non, oui, oui. Aucune expression dans le visage. Je dirais qu'un froid polaire l'a habité. Ça nous a un peu rafraîchi ici au stade Marcel Picot. Wassi Youn, elle a fait une excellente première période du côté de Nancy. Wassi Youn, c'est elle qui a d'ailleurs eu la principale occasion... Hein, pour les joueuses de la SNL, elle aussi, il faudra s'en méfier du côté d'Algrange. Alors je viens de discuter avec le président Algrangeois, il me dit ah, ça va se jouer à un tout petit détail. Je suis un peu, même largement d'accord avec lui. Mais ça bien, c'est bien. Ça, l'ouverture ça du score maintenant va être prédominante. Ah oui, ça va marquer, ça pourrait marquer le coup en tout cas. Parce déjà que dans au les niveau têtes... de la rigueur tactique, il n'y a rien à dire. Hein. Elles sont hyper disciplinées des deux côtés. Hein. Attention, Vojila, elle a pris le couloir gauche. Elle a permuté, c'est Martins qui est dans l'axe. Vojila qui va se mettre sur son pied droit, peut-être pour un centre rentrant. Elle préfère temporiser, elle va s'appuyer derrière. Notamment avec Barlogis. Barlogis toujours côté gauche. Elle est passée, Barlogis. Il y a une petite faute signalée, bien sûr, à juste titre, par Frédéric Neusch. Et là, raison, hein, le président d'Algrange. En tout cas, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer... que autant de points ont pu séparer justement ces deux équipes en championnat, près de 24 points d'écart entre la première place récupérée par Algrange et la sixième prise par Nancy en deuxième division féminine. Attention à ce coup franc. Vous savez, les années où vous montez, il y a tout qui rigole. Oui. Oh, elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Oh, cette attention, passe. Elle va aller le défendre, c'est bien joué. Elle est partie, elle est seule, elle va rentrer dans la surface, elle se met pied droit. Oh, quel arrêt de la part de Burtin, déterminante sur ce coup. Troisième occasion nancyenne, attention. Exactement, troisième occasion nancyenne, et c'était Ekel qui était partie toute seule. Et Oswald a bien joué le coup, elle a gêné sans faire de faute. Parce que là, elle prenait le pénalty et comme double peine, le rouge. Ah oui, là ça aurait été terrible. Mais la frappe de l'attaquante nancyenne était super bien placée. Elle aurait pu être encore un peu plus du côté du poteau extérieur, mais bon, là, c'était déjà pas mal. Et la gardienne a laissé tomber son poteau, son premier poteau, pour aller chercher d'une formidable claquette ce ballon. Le corner en là, tout elle cas. Là, elle a sauvé son con. Hein, Ah oui, là, c'est sûr que sur ce coup-là, Algrange peut dire merci à sa gardienne, celle dont on vous parlait d'ailleurs en début de retransmission, Andrea Burtin.
Son coach nous disait qu'assurément elle avait le niveau de la D1. Et bien elle l'a montré en tout cas sur cette action. Le ballon qui va revenir pour les Nancéennes qui en tout cas démarre cette seconde période comme elles avaient démarré ce match. Ça confirme sur un gros rythme. Ce qu'on a entendu des Algrangeoises, à savoir qu'il n'y a pas de trou. Hein. Non. Là on a testé le gardien, c'est pas mal. Hein. Voici Youn qui ouais. En tout cas fait les siennes sur le côté droit. C'est passé une fois, malheureusement la deuxième fois c'était plus compliqué. Et elle va concéder d'ailleurs cette touche, la numéro 10 de la SNL. L'histoire des deux clubs, on vous disait Nancy, hein, créée en 1970. En tout cas, cette section féminine créée par Monsieur Jacquemin. Nancy, championne de Lorraine 79, championne de DH 86 et 2001. Deux victoires en Coupe de Lorraine, 77 et 84. Oh là. Et là, il y a une petite faute. Elle est tombée de fatigue, là. Hein. Ouais, on va dire ça comme ça. On peut pas dire que c'est le vent. Hein. Un petit coup de barre, ouais, ouais. Là, oui, non, pas pour elle. Pas pour elle, si vous me permettez. Hey, regardez, ça peut donner un coup franc embêtant hein, pour les ouais, Algrangeoises. Ouais, surtout que ça va plonger, surtout que ça risque de plonger. Alors là de ce genre de coup franc, tout dépend de la tireuse. Eh bien écoutez, Wassioun en tout cas, elle... Il ne faut pas que ça soit trop près des défenseurs et trop près de la gardienne. Il faut trouver un juste compromis. Elle a marqué 6 buts et c'est elle qui est à la bien baguette. Tiré, bien oh, c'est tiré, bien joué ça, juste devant le gardien, peut-être un peu trop. Oh oui, il y a une faute, une obstruction, bien entendu. Ça n'a pas assez jailli du côté nancéen. La faute notamment de Julie Rampant. Oh, carton et qui jaune. Va prendre le premier carton de cette partie. Oh. Sans doute à juste titre quand même, malgré la huée, les huées même, des travées de Marcel Picot, bah, on a Nancy. Hein. Si vous le problème rejoindre... c'est qu'elle est... elle joue défenseur. Et là maintenant avec un jaune, bah, quelque part c'est un petit handicap qui peut s'avérer très très important lors d'un duel. Elle prend le deuxième jaune et puis bon. Elle ouais. Se retrouve à 10. Et elle prend sa douche avant les autres après, malheureusement. Ouais, mais c'est surtout l'équipe qui se retrouve à 10. Hein. Ouais, puis derrière, faut pas non plus qu'elle y pense trop à ce carton jaune. Voilà. Là. Et qu'elle retienne. Oh, bien oh joué, attention, ça va revenir. Enfin, voici, on allait pas en jeu, bien sûr, oh parce que la défenseuse qui avait fait la remise en jeu avait couvert, à savoir Justine Oswald. Oh, on a du mal à ressortir ce ballon. Il y a une grosse pression d'ancienne. Elles étaient 3. Sur Chloé Barlogis. Ah mais il y a plus de jus hein, du côté nancéen. Hein. Elles l'ont dit hein, dans leur préparation, elles ont utilisé les deux dernières rencontres justement de championnat pour préparer ce match au mieux, puisque ces deux rencontres étaient sans enjeu. Et on le sent, en tout cas, le président du côté de Algrange, qui nous le disait, Thierry Labatte, hein, qui nous disait justement qu'il trouvait que ces joueuses étaient vraiment sur un rythme très soutenu ces derniers jours, même à l'entraînement. Hein, il leur a demandé un petit peu de baisser le pied ces derniers jours. Alors peut-être qu'ils ont trop donné alors. Peut-être, je ne sais pas. Du côté algrangeois, ça manque un peu de peps. Eh ouais, exactement. De tonique. Là, elle a été s'enfoncer dans le système nancéen. Ah Martin, ce n'est pas aussi tranchante que l'an dernier. Alors juste d'un point de vue esthétique. J'ai vu que Oswald ouais. Avait trouvé un élastoplaste assorti à la couleur de son maillot. C'est ça le foot féminin. Je vais voilà. Faire une remarque tout à fait machiste, mais voilà la différence entre les hommes et les femmes. L'atout charme, l'atout classe. Voilà. La petite chose supplémentaire. D'ailleurs je ne voulez... savais pas que ça existait dans cette couleur-là. Écoutez, on va lui demander le nom pourtant, de la pourtant, c'est un vieux combattant qui parle. Hein. On dit ça, mais on est mauvaise langue, puisque les hommes dans le foot sont quand même assez coquets. Dans le foot et dans les autres sports. Ah mais c'est sports, surtout hein. Dans les coiffures. Hein, oui, c'est vrai. Là, c'est un concours là. Ben, on va voir ça tout à l'heure. À 17h30, on commentera les coupes de cheveux. Oula, attention à ce ballon qui avait bien filé dans la surface de réparation. Peut-être la contre-attaque du côté de Nancy. Elle a bon il y a quand même du chaos dans l'air. Hein. Numéro 9 là, très bon jeu de haut but. Ouais, complètement. Cette Megan Ekel. Megan Ekel également qui a fait une belle saison avec 8 buts inscrits. C'est la meilleure buteuse du côté de Nancy là. Cette saison. Attention parce que Mojila elle a traîné. Le renard elle va frapper. Oh là là, le premier face à face il a été remporté. Et ce ballon qui va sortir directement. C'est le deuxième face à face. Deuxième face à face complètement. Mais je pensais qu'il allait avoir une seconde chance pour elle juste derrière. Et bien écoutez, dans le duel des gardiens entre Coralie Balussou et Andrea Burtin, on en est à un arrêt déterminant partout. Alors comment on dit l'entraîneur algrangeois, elle peut en louper 3, mais elle en marquera 3 derrière. Exactement. Là, on en est à 2. Voilà. Là, on en est à 2. On va quand même suivre ce corner. Ah, c'est incroyable.
Le corner qui va être tiré pied droit par de Lille. C'est bien joué. Attention, le gardien qui a été lobé. Martins qui va se mettre pied droit, qui va allumer. Hop là, encore une parade. C'est bien joué. C'est un festival de gardiennes. Eh bien oui, vous voyez, on critiquait le niveau des gardiennes en foot féminin. Eh bien, elles nous font bien mentir, elles ont raison. Oula, attention à cette contre-attaque, il y a la brèche, elles l'ont vu. À gauche, c'est bien fait, allez, porte aussi. Aïe, 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 ça s'est joué dans un mouchoir de poche, cette position de hors-jeu de Sacienti. Et même de Ekel à nouveau, hein, qui traînait en embuscade. Oui, mais c'est Ekel qui aurait dû un peu retarder sa course pour ne pas être hors-jeu. Parce que là, le coup était bien joué de la part de Sacienti. Voilà. Elle a très bien joué le coup, elle a attendu d'être attaquée pour envoyer le ballon à Ekel, mais Ekel, elle aurait dû tout faire pour ne pas être hors jeu. Mais bon, ça s'est joué à un millimètre là. Hein. Ah, rien du tout. Hein. Là, je vous avouerai que là où on n'était peut-être pas dans le meilleur angle, mais je ne la voyais pas hors jeu. En tout cas, la deuxième mi-temps est beaucoup plus spectaculaire. Hein. Ouais, et il y a des brèches, il y a des espaces. Plus de choses en 5 minutes qu'en 45 minutes. Et pourtant, on a pris du bon temps quand même sur la première période. Là, par contre, Kojila, elle est bien hors jeu. Celle qui a marqué, bien sûr, 25 buts hein, cette saison, vous en parlez. Ah, il faut les mettre, hein, les 25. Hein, les 25, c'est jamais facile. C'était une poule de 12, donc ça fait 22 matchs. Voilà. Ça fait plus d'un but par match. Hein. C'est fort. C'est très, très fort. Il faut dire que quand même, de temps en temps, ça cartonne. Hein. Oui, bah, on l'a dit, hein, avec le 9-1 notamment face à Amiens. C'est vrai qu'il y a eu quelques beaux cartons, et là, on en a vu un beau. Également, avec Sciascienti qui s'est fait balancer. Est-ce qu'elle a du sort? S'il y a du sort, elle sort. Hein. Ça a l'air d'aller. C'est de Lille qui s'est rendu victime coupable de cette faute. Elle a perdu son caoutchouc. Aïe, aïe, aïe. Voilà, vous en parliez tout à l'heure, vous voyez. C'est elle a le souci de le remettre. Hein. C'est de la prémonition. Imaginez, elle arrive devant la gardienne, les cheveux qui lui tombent devant les yeux. Eh oui, ou alors retenue par les cheveux. Est-ce qu'il y a une règle? Retenue par les cheveux, retenue par le maillot, c'est pas... Hein. Là, non, bah alors là, c'est péno. Hein. La double peine, comme on en parlait tout à l'heure. L'artilleuse pour ce nouveau coup franc du côté de l'AS Nancy-Lorraine, eh bien, il s'agit tout simplement de la numéro 6, à savoir Marine Morel. Oh, le ballon, attention ! Hors-jeu. Voici Youn qui était en position de hors-jeu. Mais comme on vient de le dire, c'est beaucoup plus spectaculaire. Est-ce que les systèmes défensifs avec la chaleur se sont un peu distendus ? Parce que c'était globalement très fermé en première mi-temps. Nouvelle possession pour l'AS Nancy-Lorraine qui pour le moment domine ce début de seconde période. On approche de l'heure de jeu. Il y a Algrange qui peine à trouver des solutions et surtout à récupérer ce ballon. Et on voit notamment le coach Jérôme Orionnet au bord du terrain qui commence un petit peu à s'agacer. Il est retourné dans sa guitoune. Et sans doute que ça n'a pas trop lui plaire. Attention à ne pas commettre l'erreur, on en parlait. Et Frédéric Biancalani nous le disait, hein, une erreur et vous mettez Algrange sur orbite. Et ben là, Martins, tout cas, elle a fait la différence. C'est bien joué, elle est rentrée dans la surface de réparation. Elle va centrer pour Vojdila qui va reprendre. Oh, elle s'est écroulée. Il n'y a rien, précise Frédéric Neuch, l'arbitre. Je suis un peu d'accord avec l'arbitre. Oui, oui, oui. On doit être toujours d'accord avec l'arbitre. C'est une filou, cette Vojdila. Elle aime bien filouter, elle est toujours au sol. J'espère qu'elle s'est pas quand même fait mal hein, sur son appui, notamment sur sa cheville. Oh, attention. Ça chauffe, là. Attention, mesdames, voyons. Ne faites pas comme les messieurs. Adoucissez un peu tout ça. Et la compétition, quand ça vous prend. Heureusement, il ne s'est rien passé. Bon, je dis là, par contre, est toujours au sol. Moi, j'ai quand même beaucoup plus dangereux en deuxième mi-temps. Hein. Ah oui, il s'en passe des choses. Hein. Il s'en passe. Là, pour l'instant, c'est très, très équilibré. Hein. Ça va d'un côté à l'autre. Et Vojdila, vous voyez, Frédéric Neuch qui va faire appel, bien sûr, au soigneur. Est-ce que Vojdila va se relever? Alors, ça a l'air d'être chiant. Oh, il y a carrément le Samu. Ah ouais, vous avez vu même un petit gyrophare. Je ne sais pas si vous l'entendez chez vous, chers auditeurs. On vous invite, bien sûr, à commenter ce match avec Gabi et avec moi-même sur Twitter via le hashtag Coupe Lorraine. Voilà, vous nous envoyez votre petit message, votre petite question. On a reçu quelques messages sympas, notamment à la mi-temps. Là, il y a eu un beau travail de Martins hein, sur le côté droit, qui a donné un super ballon à Vojdila. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup en vue lors de la première période. C'est vrai, le numéro 10 a été un peu trop transparente. Hein, c'est la cheville. Aïe, 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 on espère que c'est pas trop grave pour Vojdila. Non, mais en tout cas, ils n'utilisent pas le brancard, donc c'est plutôt bon signe.
Mais ça a l'air d'être une gagneuse. Elle n'abandonnera pas ses coéquipières aussi vite. Non, ça c'est sûr. C'est mal la connaître en tout cas, cette joueuse. Elle en profite pour refaire le plat de gasoil. Joueuse de 91, Julie Vojdila, c'est vous dire si elle a un bel avenir. Les lieux d'habitation, non? Alors, les lieux d'habitation, non, j'ai son lieu de naissance, elle est née à Metz. Voilà, ah, d'accord. Ça doit vous faire plaisir. On n'en dira pas plus. Le coup franc qui est bien parti, attention, la défense nancéenne qui a dégagé, ça va donner un corner pour Algrange. Est-ce qu'elle est rentrée Vojdila? Non, ça a l'air d'aller mieux. Elle va faire le tour du terrain. On va tester en même temps la cheville. C'est beaucoup plus dangereux du côté algrangeois en deuxième mi-temps. Et par contre, Orionnet a sorti la numéro 3. Ouais, Malé Cindy, moi, elle m'avait bien plu en première mi-temps. Hein. Ouais, complètement. C'est... bon, sa remplaçante est peut-être un peu plus offensive, je sais pas. Alors, je voulais faire un point justement de règlement avec vous, mon cher Gabi. On sait que certaines années en finale de Coupe de Lorraine, on pouvait se permettre de faire entrer des joueuses et les faire sortir des joueuses et les faire rentrer. Attention à ce corner qui était également rentrant. Avec peut-être la deuxième chance. On va suivre cette action et puis on revient avec Delisle qui remet le ballon dans le paquet au deuxième poteau. Là voilà la troisième occasion de Vojdila. Donc ça veut dire que les trois buts sont à venir. Si on suit bien sûr ce que nous disait Jérôme Henrionnet tout à l'heure. Donc je vous disais, les joueuses, réglementation, lorsqu'une joueuse sort, elle ne peut pas re-rentrer derrière. Ah, d'accord, c'est le règlement de cette année. Fédé. Voilà, c'est ce qu'on appelle le règlement Fédé, c'est-à-dire Coupe de France, Gambardella. Je crois que la finale, elle se calque sur le règlement Fédé. Exactement. Et c'est le cas que depuis d'ailleurs, un an. D'ailleurs, vous avez le droit à un banc plus large. Voilà. Ça, c'est aussi un règlement Fédé. Hein. Je crois que les Algrangeoises n'ont pas pris de deuxième gardienne. Non, tout à fait. Puisqu'elles ont qualifié, on peut qualifier que 15 joueuses. Ah d'accord. Alors peut-être que non, alors, peut-être qu'on qu'elles, coupe, on peut-être qu'elles ont le droit de rentrer. Je vous avouerai que ce point de règlement n'a pas été précisé. Si on se fie à ce qui s'est passé l'an dernier. Bah écoutez, on va voir si la numéro 3 d'Algrange va rentrer. Là, on aura la réponse. Exactement, voilà. Suspense à venir. Si vous, chez vous, vous avez bien sûr le point de règlement, n'hésitez pas. Le hashtag, vous commentez avec nous. C'est le football 2.0, comme je vous le disais, le football total, et on vous attend, chers auditeurs. Allez, c'est bien joué ça. Voici Yuna, elle a fait la différence. Ah, tête un peu gourmande, c'est dommage, parce qu'il y avait une coéquipière démarquée côté droit. Et Algrange qui va remettre le pied sur le ballon, qui va le sortir. Ah, mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais dire qu'en deuxième mi-temps, elle fait un très bon début de deuxième mi-temps, numéro 8, là, de Lille Vitali. Elle a cherché à vous faire mentir, à mon avis. D'ailleurs, je sais qu'elle est de temps en temps. Ah non, c'est la numéro 2. Donc c'est Barlogi Chloé. La touche et la remise en jeu pour l'Est Nancy Lorraine. On cherchait sur le côté droit, mais finalement ce sont les Bleus d'Algrange qui ont réussi. Et Vojdila, on va tout de suite tester. Ouh, ça court sur le petit bois. Attention, ouais. Belle anticipation de la part de Rampan. Et on signale une faute. On revient à une faute un petit peu avant. Qu'il y a eu une légère obstruction sur Vojdila. Je voudrais signaler, vous voyez les deux personnes en rouge en bas de votre écran. C'est bien sûr Frédéric Biancalani et Mamadou Ba. C'est vraiment un duo très sympathique hein, sur ce banc nancéen. On a eu l'occasion d'échanger avec eux là, avant ce match. Et voilà, c'est des gros chambreurs. Des très très gros chambreurs. Alors si du côté d'Algrange, j'ai cru, oui dire, que les filles avaient un goût prononcé pour la victoire et pour la fête. Mais en tout dans cas, la mesure du possible, hein, le monde sur le terrain en tout cas qu'elles peuvent faire la fête. L'éducateur orionné, c'est pas le genre chambreur. Lui, non, lui, c'est du sérieux, sérieux, sérieux. Hein. Très sérieux. Voilà. Mais très respectueux de la personne humaine, ça gâte très bien. Ouais. Ah. Oh, attention, avec ce contre-favorable, c'était Martins qui avait bien mis la pression. Regardez ce pressing qui pose hein, beaucoup de problèmes à Nancy. Même s'il en va pouvoir s'en défaire avec ce bon appel côté gauche, elle n'est pas hors jeu, mais elle a perdu le ballon. C'était notamment Kern, et là, la Kern, elle a fait une grosse faute quand même. Sur celle qui vient tout juste de rentrer, qui est entrée à la mi-temps, Juliane Gatrat. Ah ben j'ai pas pris le chrono. Hein. Eh bien écoutez, mon cher Gabi, on vient de dépasser l'heure de jeu, oui. 64e minute de jeu, très exactement. Toujours 0 à 0. Est-ce que on se rapproche du scénario de l'an dernier? La seule chose qui différencie le scénario, c'est que Nancy, on sait qu'ils ont répété les tirs au but. Enfin, on n'en est pas là. Ouais. On n'en est pas là. Il y a encore 25 minutes. Bonne minute. Là, on va aller, à mon avis, vers un arrêt mi-temps.
Ouais, dans quelques mi-temps, minutes. Mi-temps. Mi-temps de mi-temps. Ça va, l'air c'est un peu levé, hein. On respire un peu mieux. Ouais, c'est bien joué cette remise de la tête, ce bon geste défensif en tout cas de la part de Marie Papet. Et ça va revenir côté droit pour les Nancéennes avec la capitaine Jennifer Brocheret. On la retrouve, Jennifer Brocheret. Et oui, elle récupère une bonne faute. Ça, c'est un bon coup franc pour Nancy. Ça, c'est un bon coup franc. Ils sont revenus à un système à 5, hein, Nancy. Mais on voit que Brocheret prend beaucoup de... très haut, hein. Oui, oui. Elle prend beaucoup le couloir. Allez, le coup franc pour Nancy. Je peux vous dire que toute l'équipe algrangeoise est redescendue dans sa moitié de terrain. Il n'y a que... il me semble que c'est Martins qui est resté en pointe. Alors là aussi... Marine Morel pour le tirer. Tout dépendra de la qualité de cet envoi. Marine Morel et son pied droit. Elle a pris beaucoup d'élan, elle a frappé direct. Ça a été contré, deuxième chance peut-être. Non, dégagé par la défense algrangeoise. Qui va éloigner, essayer d'éloigner le danger. Pas pour très longtemps. Oh, attention à ce mauvais contrôle. C'était notamment Marie Papet. Gatrat qui a pu s'en saisir, relancer. On est désormais avec Martins. Proche du rond central, elle s'est retournée. Martins, elle a vraiment... Elle a du ballon, Martins. Hein. On voit là, de belles qualités techniques, en tout cas, cette joueuse. De Lille. L'ancienne de cette équipe. Oula, De Lille, voilà. L'expérience. On la voit sur le terrain. Vitalie De Lille, c'est l'ancienne, la science. C'est elle, le leader naturel du groupe. Et c'est bien sûr le relais du coach, hein, avec son expérience, sa qualité technique et son volume de jeu. Hein, ça chambre un peu. Là, ouais, entre... mais ça sourit. C'est bon esprit. Le coup franc qui a été joué par Algrange Vosges dès là. Il a pris ce ballon dans la tête. Malheureusement, il n'y avait personne et la transmission était un petit peu compliquée pour ses coéquipières. Là, on est bien enfermé sur le côté, hein, du côté d'Ancienne. De Lille, là voilà. On vous le disait, l'expérience, l'ancienne, l'atelier du côté d'Algrange. Martin, ça va prendre sa chance, ça l'a bien fait. Ça va revenir dans les pieds des Bleus. On a allumé. Et c'était bien joué, notamment de la part. De cette numéro 11, à savoir Laurence Chouillier. Lullier. Lullier, voilà, tout à fait. C'est un nom bien de chez nous. Hein. Exactement. Il y avait un joueur d'Amnéville qui s'appelait Lullier. La bagarre qui continue, les duels, hein, sont de plus en plus rudes, en tout cas entre les joueuses. De Lille qui va orienter côté gauche, à la vue de Vojdila qui est parti dans le dos. Mais la possession s'est équilibrée. Hein. Oui, complètement. Une domination d'Ancienne en première mi-temps, alors que là... Je dirais même que c'est plutôt à l'avantage des Algrangeoises. On est revenu un petit peu sur la physionomie, hein, de cette première période. Et mine de rien, on se rapproche, hein, on va rentrer dans les 20 dernières minutes dans quelques instants. Et on en est toujours à 0-0 dans cette finale de Coupe féminine. Je vous rappelle qu'à 17h30, bah, y a le moment qu'on attend tous, hein, cette finale masculine. Oh, la grosse faute, là ça mérite un jaune. Oui, oui, oui. Et là, quand on parlait d'expérience tout à l'heure, il y en a également... Du côté de celle qui vient de prendre un jaune, à savoir Megan Ekel, qui prend le deuxième carton jaune de cette partie. Deux cartons jaunes qui ont été mis d'ailleurs à des joueuses nancéennes. Et très jolie Megan Ekel. Je crois que joueuse nancéenne a été dire c'était sa première faute. Oui, mais alors, quelle faute. Heureusement que les fibres synthétiques étaient solides. Oui. De Lille, le coup franc. Oh, c'est bien joué dans la profondeur, peut-être un peu fort. Il a failli tromper la gardienne. Ça chauffe quand même là. L'ancienne, hein. Balussou. Eh bien, écoutez, il y a du chaos dans l'air, j'ai envie de dire. Il y a du chaos dans l'air, ça sent l'orage. Dans le ciel, comme sur le terrain. Eh ouais, Balussou s'est fait surprendre par la trajectoire de cette balle. Je suis pas sûr que la balle était cadrée d'ailleurs, cette frappe était cadrée, mais bon. On sait jamais. De Lille qui va aller mieux qu'elle mette une claquette, hein, quand même. Ah oui, là, ça aurait été un petit le peu mieux. Le risque était très grand. De Lille pour tirer ce corner du côté de Algrange. Algrange, on le rappelle, champion de France de deuxième division et surtout vainqueur de la Coupe l'an dernier. La bonne tête, ça va revenir vers Martin. Si elle allume, ça peut faire mal. Malheureusement, elle avait trop écrasé sa frappe. Elodie Martins, le talent à l'état pur. Hein. Son coach nous disait, c'est dommage qu'elle ne soit pas là tout le temps avec son travail. Elle est en 3x8. Ah. C'est compliqué pour elle de s'entraîner, mais elle est capable d'exploits. Et bien écoutez, ce qu'elle nous montre en tout cas jusqu'à présent,
alors que Madame Neuch signale aux joueuses qu'il est en boire. Alors il y a quand même la pause à la mi-temps. Exactement, la mi-temps. Voilà, pour les 20 dernières minutes, c'est le dernier coup d'eau. Et ensuite, on va partir pour le sprint final. Et Dieu sait que ça va être tendu entre ces deux équipes. 0-0, on vous le rappelle, c'est très très serré. Et nous aussi, on va en profiter pour boire un petit peu d'eau. Et vous le voyez, l'ambiance qui commence à monter d'un cran. Là, Marcel Picot qui se remplit petit à petit. Il n'y a pas de coaching quand même. Hein. Pour non, c'est vrai. Il y a eu un seul changement du côté algorgeois et encore à la mi-temps. C'est ça qui me laisse penser justement qu'on est bien sur nos trois changements uniques. Oui. Il y a des supporters et des supportrices nancéennes hein, qui sont juste à notre droite. Et on parlait de Marie Papet hein, tout à l'heure du côté de Algrange. C'est peut-être son dernier match à Marie Papet puisque elle pourrait succomber aux sirènes d'Albi. Ah. C'est en tout cas les informations qu'on a, hein, rien d'officiel, que de la rumeur. Mais je sais que vous aimez les rumeurs, chers internautes. Le mercato, ce n'est pas que pour les hommes, c'est également pour les femmes. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter cette finale. Et Émilie Barbeau qui me dit normalement il n'y a pas de changement permanent. Sur le hashtag Coupe Lorraine. Eh bien merci. Eh bien merci. Décidément, Émilie, vous avez gagné votre droit de venir commenter la finale masculine avec nous. D'après mes fiches, les remplacées ne deviennent pas remplaçantes. En tout cas, c'est comme ça en masculin. C'est vrai que l'an dernier, c'était comme ça en masculin. On va suivre, on va attendre. Martin, ce qui va aller mettre la pression. Attention, parce que là, il y avait la pression sur cette numéro 4, Julie Rampant. Qui a un petit peu dévissé, mais qui a pu sortir ce ballon en touche. Vous la voyez actuellement à l'écran, Julie Rampant. La différence par rapport à la première mi-temps, c'est que le numéro 10, Martin, se joue très très haut. Elle joue pratiquement à la hauteur de Vojdila. Ben c'est un petit peu de cette façon-là qu'elles avaient joué l'an dernier, avec justement Martin en 9,5 et Vojdila en 9 pur, un peu à la Pipo Inzaghi, avec son côté un peu truqueur. Et... Ouais, je crois qu'il va y avoir du changement là. Ouais, ça se prépare du côté. Des billets qui se baladent. De Nancy notamment. Attention à Vojdila. Ah, c'est vraiment un renard des surfaces. Hein, cette joueuse, elle est plutôt complète, capable de tout. C'est dommage, on l'avait vu, Gabi permuter un peu sur les côtés pour varier un petit peu le jeu, varier les possibilités. Et là, elle est bien dans l'axe depuis quelques minutes. Peut-être que ça peut être une clé aussi, varier le jeu du côté d'Algrange pour essayer de désarçonner cette défense nancéenne bien en place. Ça faisait un moment que les nancéennes n'étaient pas venues dans le camp algrangeois. Attention, non, hors-jeu. Oui, position de hors-jeu, bien sûr, de Wasiyoun. Rania Wasiyoun, un des talents, hein, l'avenir hein, pour ce club nancéen. Elle aussi, elle est de 91, née à Nancy, 21 matchs cette saison, 6 buts, 1714 minutes jouées. Wasiyoun. Et le changement, vous en parliez tout à l'heure. Et on va voir bien sûr l'entrée du côté nancéen de Gwendoline Wolf et la sortie de Céline Aubert. Voilà. Encore une fois, on est sur du poste pour poste du côté nancéen. Sans doute que les deux coachs sont plutôt satisfaits hein, des formations et des dispositifs tactiques proposés. Et je vous dis une bêtise parce que Wolf s'est directement positionné en attaque. Oui, là, il a supprimé. Il a retiré une défenseuse pour faire entrer un attaquant et en l'occurrence Wolf. Profil vif et beaucoup d'explosivité, hein, cette joueuse. Allez, Algrange qui va essayer de repartir, notamment côté gauche avec Martins. Et voilà, on discute un petit peu, ça chambre un petit peu entre Vojdila et Balussou. Ça fait partie du jeu. Le football est un jeu de truqueurs aussi. Et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. Le ballon pour la Nancéenne, on va essayer de passer à droite, ça avait l'air compliqué, mais il manque un cheveu, un poil à Wasiyoun pour empêcher ce ballon justement de sortir. Bien signalé par Clotilde Ocar. La remise en jeu va être effectuée par les Bleus d'Algrange. Algrange, on le disait, hein, sans doute le dernier match
sous le nom AS Algrange. L'an prochain, ce sera FC Metz Algrange. Sans doute le dernier match sous ce beau maillot bleu, puisque l'an prochain, ce sera le maillot cher au cœur de notre ami Gabi Dalvi, le maillot Grenat. Le Grenat qu'on retrouvera en Ligue 1 également. Ouais, Metz qui fait son grand retour dans l'élite. Dans l'élite masculine et féminine. Et féminine, tout à fait. Et on est très heureux de les retrouver. Ça n'est fallu de peu qu'on retrouve même le derby lorrain. Exactement. Ouais. Alors l'an dernier, on avait dit à Saint-Symphorien qu'on aimerait bien retrouver Metz en première division. Bon, attention, Vogier, là, elle a pris l'espace, elle va récupérer le ballon, et là voilà l'ouverture du score. On vous l'avait dit, elle en a raté 3, elle était capable d'en mettre 3, elle en a mis 1, elle ouvre le score à la 75e minute, et pour le moment, elle offre la coupe à Algrange, mais il reste un quart d'heure de jeu, mon cher Gabi. Eh oui, une belle passe en profondeur, à la lutte avec deux défenseurs nancéens. Elle a réussi à la faveur d'un bon extérieur du pied droit à se mettre en bonne position. Elle s'est retrouvée à 12 mètres du but, plein axe. Et là, elle a ajusté la gardienne nancéenne. On disait quand même que les Algrangeoises avaient repris un peu le match en main durant cette deuxième mi-temps. Et après, c'est une histoire d'efficacité de leurs attaquantes. Ça a été en berne en première mi-temps, mais là, on sentait qu'on était au bord de la décision. Et ça y est, là, bon, il y a du suspense encore, mais... ça va être très dur pour les Nancéennes. Alors que doit faire Nancy justement, Gabi, pour essayer d'inverser un petit peu la vapeur? Certainement pas partir à l'abordage et prendre le deuxième, hein. Ouais. Mais toujours est-il qu'il faudra quand même que jusqu'à la 92e, 93e, eh bien qu'elles prennent des risques, que derrière on s'intègre de plus en plus, qu'on laisse tomber la défense à 5 derrière, hein. Ça c'est fait, hein, puisqu'elles ont fait rentrer une attaquante à la place d'une. Les Algrangeoises, en tout cas, elles se sont positionnées dans leur camp. Hein. Ah là, il y avait en jeu. Là. Allez, Algrange qui pour le moment a fait la différence. Ah, alors qu'on est rentré dans ce dernier quart d'heure. Vogila qui va lancer tout simplement. C'est Janella. Janella côté gauche. Et la défense de l'Est Nancy Lorraine qui a réussi à mettre le pied sur ce ballon. On va essayer de repartir avec notamment cette numéro 9. Hein, Ekel qui dézone un petit peu. Qui essaye d'apporter le surnombre au milieu de terrain. Il y a Renard Tapie. Je ne sais pas si c'est le fils ou le frère de Bernard. Qui nous dit coucou à Gabi, je vois qu'il se nourrit bien. Eh bien écoutez, j'ai mangé avec Gabi ce midi. Et je peux vous dire qu'il fait très très attention. Ah. Merci. On a bu que de l'eau. Oui. Voilà, Renard Tapie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Gabi. On a diversifié, eau gazeuse, eau naturelle, mais on en est resté à l'eau. Pas une goutte de chardonnay. Attention, à l'entrée de la surface de réparation. Ouh, aïe, 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 aïe. On va tenter la frappe directe, ça va venir pied droit, et ça ne va pas être cadré, ça va passer juste à côté des buts. C'était notamment cette numéro 6 du côté d'Algrange, Gaëlle Benouarzi. Et Émilie Barbeau, en tout cas, qui pour le moment est d'accord pour venir commenter avec nous, mais l'année prochaine, mon Gabi. D'accord. Voilà, on retient la candidature. La bonne tête de la numéro 2 d'Algrange. Oh, oh, qui s'est claqué. Elle se serait claquée, Chloé Barlogis, qui boitille. Il va y avoir du changement dans l'air. À mon avis, du côté d'Algrange, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ça grimace, ça grimace. Plus de peur que de mal. Sur sa reprise d'appui, on a l'impression que... Ouais. Vitaly Delisle est très très précieuse dans le milieu de terrain algrangeois. Elle apporte beaucoup, hein, on le disait, hein, cette expérience. Puis le physique aussi. Hein. Oh, attention, Wolf allait glisser une petite pistache dans le dos de la défense, ça aurait pu faire mal. Ekel, côté droit, le ballon n'est pas sorti. Bon jaillissement de la défense. Ah, c'est dommage, on s'est mal compris. Et c'est un petit peu décousu, hein, du côté nancéen. C'est dommage parce que les filles avaient fait de belles choses jusqu'à présent. Ekel est beaucoup trop statique en cette fin de match. Là. Puis on ne sait pas trop où la situer, surtout sur le terrain. C'est vrai qu'on l'avait vu sur le front.
Alors, un double changement. La sortie du côté de Nancy, c'est Karen Kern. Elle a fait un très beau match, Karen Kern. Et elle laisse sa place à Emily. Alors, Seng Shang Feng, c'est une chinoise, c'est ce que disait en tout cas Frédéric Biancalani. Et vous connaissez son surnom dans le groupe ? Non. Bol. Voilà. Ah, d'accord. Bol, c'est son surnom. Et la sortie également du côté de Algrange. On a vu l'entrée oui, bah c'est, de la numéro c'est 12. Ce que vous aviez vu. C'est le claquage peut-être oui. De la part, on l'a dit, de Chloé Barlogis, remplacée par Alexia Mock. Voilà. Alors Renard Tapie qui me dit c'était le bon temps de l'école normale à Metz. Voilà. Ah d'accord. Alors je vais lui rappeler à ce monsieur qu'il y a le repas des anciens la semaine prochaine. Eh ben voilà. Voilà monsieur Tapie. Vous êtes bien sûr convié. Marine hein, qui nous dit également sur le hashtag Coupe Lorraine, dommage pour Nancy qui s'est procuré de belles occasions, mais beau but d'Algrange, il faut le signaler en effet. On sent que c'est l'année algrangeoise. Ah oui, rien ne peut leur résister. Imaginez, ils ont perdu deux matchs cette saison. Deux matchs, un nul. C'est quand même incroyable. 19 victoires en 22 matchs. Qui dit mieux ? Oula. Oh, attention, parce que là, il va y avoir une belle cartouche à nouveau à jouer pour les Algrangeoises avec Martins. Martins, oh oui, elle a du jus. Elle a du jus, elle est passée. Oh, elle a évité le tacle. Et elle va récupérer le corner. Et c'était parti de Juliane Gatrat. Gatra même. Cette petite jeune plein d'avenir, cette numéro 15, qui a encore des choses à travailler, mais c'est quand même l'avenir du club, cette numéro 15. On l'a vu entrer à la mi-temps. Et mon petit doigt me dit que notre cadreur Flavien, qui rougit à l'heure actuelle alors que je parle d'elle, aurait un peu tiqué sur cette jeune femme. Ah d'accord. Je n'en dis pas plus. Bon, enfin, c'est de son âge. Oui, bien sûr. Mais qu'elle se concentre sur le terrain, qu'elle ne se laisse pas avoir par ces garçons-là. Le corner, en tout cas, qui est bien parti. Oh, il y a là le cafouillage et Vajila pour le deuxième but. Non, elle n'a pas, pas osé le pied gauche. Il a peut-être fallu y aller en force, là, pour le coup, pour assurer, je ne sais pas. Difficile de se mettre à sa place, Vajila. Elle a un problème sur les ballons aériens, quand même, la gardienne. Hein. Ouais, on l'a vu en difficulté, hein, notamment déjà en première mi-temps, ouais, sur la tête de Martins. Et bien voilà, on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Et on s'achemine tout droit vers la quatrième défaite consécutive en finale de Coupe de Lorraine de l'AS Nancy-Lorraine. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour les Nancéennes. Si ça venait à ne pas bouger, de Lille en tout cas, elle qui continue à tirer les coups de pied de coin. Et on va continuer à jouer sur la gardienne, forcément. Ça va revenir côté gauche. Allez, directement, comme elle vient de Lille, c'est bien joué au point de pénalty. Se dégage comme on peut et Nancy qui pour le moment amorphe hein. On le voit à l'image de cette action, on a du mal à mettre du rythme. Wassioun qui a déjà fait beaucoup d'efforts et qui paye un petit peu une belle saison, une saison plutôt réussie. Quoique Ekel qui avait lancé Sassienti. Non mais derrière à Algrange il y a du jus, hein, il y a de la vitesse, l'explosivité. C'est fou après la saison. Alors, qu'elles ont faite de savoir qu'elles ont encore des réserves comme ça. Alors finalement, les erreurs sont très vite compensées. La remise en jeu effectuée par Algrange. On va laisser sortir ce ballon. Il y a du métier. 6 mètres. Ce sera bien 6 mètres. Vous avez aperçu Clotilde Ocar, hein, bien sûr, l'arbitre assistante. L'autre arbitre assistante, c'est Aurélie Galland. Un trio 100% féminin, on vous le disait. Et voilà, on se met un petit peu d'eau, on boit un petit coup. Ça, c'est du côté algrangeois. On en profite. Notamment du côté de Andrea Burtin. Il y a le ramasseur de ballon, ça coule douce là lui. Ou alors il a des consignes de la gardienne. Belle. Ou alors il a des consignes de la gardienne d'Algrange. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Ah, ça change. Ça change, hein. C'est ce que j'allais vous dire. On n'a pas entendu les supporters d'Algrange tout au long de ce match, parce qu'il y a beaucoup plus de supporters. Ouais, mais j'ai vu où ils étaient lors de l'ouverture du score, j'ai situé ça dans la tribune. Hein. On les a vus sauter, et là, ils nous chantaient le fameux « Et ils sont où ?» Et ils sont où les anciens, voilà. On a beaucoup parlé d'Andrea Burtin, la gardienne du côté d'Algrange. Un petit mot également d'Océane Moreau, hein. C'est vraiment la complémentarité parfaite avec Andrea, justement. Ces deux filles se connaissent bien, elles sont amies. Attention là. Attention, il y a un bon débordement avec Ekel. Oui, elle a un peu piqué. Est-ce que ça va pas sortir? Elle va pouvoir centrer en retrait. Ouh, aïe, 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 aïe. Heureusement qu'il y a eu l'intervention
de Julie Rampant. Parce que là, en plus, hein. Ouais, il y aurait pu avoir le feu. Il y aurait pu avoir le feu. Sur la saison, Algrange mériterait de l'emporter. Sur le match, un nul, c'est pas, ça serait pas volé. Hein. Exactement, parce que Nancy a montré vraiment de belles choses dans ce match. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire un dernier changement du côté de Nancy? Oui. La rentrée, justement, de Lise Herbst. Et la sortie de la numéro... alors, on annonce la 11, mais il me semble que c'était la 10. Alors, ce serait normalement Léonie Adam. Moi, sur le short, je vois le 9, mais attendez, je... Elle va se retourner, c'est bien le 11. C'est Léonie Adam, c'est bien ça. Ah bah, la 9 sur le short. Et la 9 également, qui est sortie tout à l'heure. Et qu'elle, attention à ne pas tromper la vigilance de son gardien, ça va revenir. Voici Youn, deuxième chance, à nouveau dégagé héroïquement par la défense de Algrange. Voici Youn, elle manque de jus, elle manque de jus. Elle a beaucoup donné, voici Youn, et on sent que l'organisme commence à payer les efforts du début de match. Toujours un but à zéro pour Algrange. On est rentré dans les 5 dernières minutes de jeu dans le temps réglementaire. Mais Nancy pousse. Et restez avec nous surtout, hein, tout à l'heure, puisqu'à 17h30, je vous rappelle qu'on va vivre. Bon, déjà après ce match, on aura un beau protocole. Ça se trouve, le match n'est pas terminé. On va peut-être avoir encore un petit but. Peut-être pourquoi pas des prolongations, des tirs au but, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a prolongation là? Alors, si, oui, tout à fait. Il n'y a pas de prolongation. Faites bien poser la question, Gabi. Si jamais les... Alors les... qu'il y aura des prolongations pour les seniors. Pour les, voilà, pour les hommes, les seniors, en effet, il y aura des prolongations. Il y en a eu l'année dernière entre Lunéville et Vémorange. Alors l'année dernière, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Gabi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 6 buts, oui, pour la finale masculine. Un suspense incroyable, 120 minutes de jeu, une séance de tir au but à couper le souffle au bout du suspense. Alors bah, si vous avez envie de revivre ce grand frisson, restez avec nous pour l'édition 2014 à 17h30. Pareil, vous pourrez commenter avec nous via Twitter, via le hashtag Coupe Lorraine. Et cette rencontre à 17h30, bien sûr, on vous le rappelle, hein, elle opposera la PMS à l'ES Taon. Là encore, ça va être très serré. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspense. Et une petite surprise pour le coup d'envoi ici au stade Marcel Picot. On ne dit rien. Ah. Je vous dis juste que c'est pas Michel Platini qui sera là pour donner le coup d'envoi. Mais c'est pas Gabi Dalvit non plus. C'est pas Gabi Dalvit non plus. Mais c'est un autre grand joueur. Vous n'avez pas joué à Nancy, mon cher Gabi. Mais c'est un quelqu'un qui a marqué, en tout cas, l'histoire de ce club de Nancy. Je vous en dis pas plus. Vous avez déjà moi trouvé. Moi, j'ai ma petite idée. Vous avez votre petite idée. Gardez-la pour vous, mon cher Gabi. Il n'est pas consultant sur une chaîne de télévision. Exactement. Il est connu pour son rire, d'ailleurs. D'accord. Il possède un bar dans Nancy. Et le Pinocchio. Exactement. Voilà. Les Nancéens auront compris. Allez. Algrange qui va essayer de maîtriser en tout cas cette fin de match. 2 minutes 30 à tenir pour les Algrangeoises dans cette fin de finale Coupe de Lorraine, le dernier match. Il y a du jeu là, du coup. Elles ont envie. Oh, c'est magnifique. À gauche, c'est magnifique ce qu'elle vient de faire, Benrouzi. Ah, c'est un peu emmêlé les pinceaux, mais Martins va mettre du jeu également. Ah! Ça va être compliqué pour Martin si elle fait 3-8 l'année prochaine de jouer en première division. Et ce serait un coup dur en tout cas pour cette équipe d'Algrange, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, elle est importante dans le dispositif de Jérôme Henrionnet. Elle aussi, elle est importante. Regardez, moi je dis là, elle se bat sur tous les ballons. Sur tous les ballons. J'adore ce profil de joueur et de joueuse. Et voilà, regardez, il y a le sourire toujours. Voilà. C'est vraiment, ce match est vraiment passé dans de très bonnes conditions, dans un superbe état d'esprit. Il n'y a pas de vice. Hein, dans... Non. Ou en tout cas du vice positif, le vice qu'on a l'habitude de retrouver dans le football. Le vice du champion, le vice du sportif. Allez, le coup franc directement dans la boîte. Ça va être fort. Et ça va poser aucun problème à Andréa Burtin. Qui va même se payer le luxe de relancer à la main en direction de Vojdila. Allez, elle est partie Vojdila. Elle a vu la brèche à gauche. À gauche, c'est bien joué. Avec Janela. Janela qui est passé. Janela qui va temporiser. Et Janela qui va aller s'enfermer. Tranquillement, on va essayer de se retourner. Pourquoi pas essayer de chercher le centre ou de récupérer le corner. Le chronomètre tourne en même temps. Donc c'est tout bénef pour Algrange. Regardez, magnifique. Ça aussi, c'est un petit peu d'expérience. Ah bah ça y est, Janela. C'est récupéré, mais c'est superbe. C'est sur un de Lille.
Le centre à venir. Ouh, y a, attention, la sortie du gardien est encore un petit peu hasardeuse. Adeline Janella, c'est la puissance, hein, celle qui déclenche ses attaques, qui ne lâche rien. Le détonateur des phases offensives du côté d'Algrange. Et la nouvelle touche pour les Bleus. En tout cas, ça serait beau en tout cas, de finir pour la dernière sous le maillot bleu et avec l'appellation AS Algrange. Ça serait beau de finir par une Coupe de Lorraine après avoir fêté la montée il y a quelques semaines. Je pense qu'ils sont 6500 du côté d'Algrange à être debout. Il y a une semaine de la Coupe du Monde. Que demande le peuple ? Allez, attention, peut-être pas. Il faut peut-être tout faire mentir. Avec Nancy, qui a un bon coup à jouer. Faut mettre du jus. Faut mettre du jus. Ah, ça y est, sont revenus. Elles sont revenues, les Algrangeoises. Même si là, ça va passer quand même pour Sacienti. Qui va orienter le jeu vers la gauche. Sacienti de nouveau. Il y a du monde. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais elles vont récupérer le corner. Elles vont récupérer le corner. Les anciennes. Peut-être le corner de la dernière chance. On est rentré en tout cas dans le temps additionnel de cette deuxième période. Il y avait Oswald qui avait dézoné. Dès qu'il y a des zones, ça pose problème. Ça peut créer des brèches. Ouais, ça peut poser problème. Justine Oswald, dont je vous disais, c'est la râleuse. Hein. Ah, la gardienne de Nancy ne monte pas. Ouais, ouais. Ça aurait peut-être été l'occasion, hein, presque à la 91e minute de jeu, de tenter un coup. Allez, le corner de la dernière chance pour l'Est. Nancy Lorraine sur son terrain. Marcel Picot, c'est parti au premier poteau. Attention, ça va revenir, deuxième chance. Oh, c'est fort, c'est dommage, c'est vendangé. C'est vendangé du côté des Nancéennes. Eh bien écoutez, on se dirige vers une nouvelle victoire d'Algrange, une deuxième victoire consécutive, qui serait, eh bien je crois, si mes stats ne me trompent pas, la quatrième Coupe de Lorraine, c'est bien ça, pour la AS Algrange. La première a été gagnée quand ? Là, vous posez une colle. Ah, d'accord. Là, vous m'avez posé une colle. Oh, parce qu'ils ont commencé en 99. 99, tout à fait. Donc, vous rendez, c'est à la base du porte de copine. En 15 ans, ils ont déjà gagné 4 Coupes de Lorraine. Ils sont montés, on est là. Et tout ça dans une ville de 6500 habitants. Voilà, voilà. Donc, chapeau. Hein. Ah ouais, ça, c'est clair. Je pense qu'il y a un homme, hein, à féliciter. C'est bien ce coach, hein, Jérôme Henrionnet. Et puis, tout son staff, hein, également, même si c'est pas fait encore. Non, mais n'oubliez pas les gens qui ont structuré le club. Bien sûr. Qui est Didier Bétard. Et puis les différents présidents, ça a commencé déjà avec Franceschetti. Hein. Exactement, aujourd'hui FC Metz. Et donc qui a favorisé le partenariat. Allez, ce coup franc quand même pour Nancy, le bel envol. Le bel envol de Burtin. Andréa Burtin, impeccable pour sur la ce photo, match. Hein. Elle aurait dû la prendre à deux mains. Ouais, ça c'est sûr. Andréa Burtin qui a livré un sacré match. Ah, qu'est-ce que je vous avais et dit. Et voilà, elle monte. Ah, mais elle a des oreillettes. Elle monte, Balussou. Voilà, vous lui avez donné les consignes, elle vous a écouté. Alors là, attention, le tout pour le tout. 92e minute de jeu. Sans doute un des derniers coups de pied de coin. Et ça va être directement sur la gardienne. Elle a relâché, attention. Faute. Ah oui. Signalée par Neusch. Madame Neusch. Pas le droit de toucher le gardien dans la surface ou la gardienne. Attaque au goal, comme on disait dans la cour de récré. Eh bien voilà, écoutez, on se dirige en tout cas vers ce succès. Et la malédiction pour Nancy, imaginez. Votre chrono n'a pas été stoppé. Hein. Non, le chrono n'a pas été stoppé. Donc il faut rajouter, je pense qu'on va jouer jusqu'à la 96e. Hein. À mon avis, ça va jouer comme ça, 3 minutes. On va partir de ce principe-là, il n'y a pas eu de temps additionnel d'annoncer. Et toujours le ballon dans les piles anciennes. Et qui a loupé un. Hein. Alors écoutez, Ekel tout à l'heure, moi je l'ai vu sur du côté du banc de touche, donc elle a dû rentrer. La défenseuse centrale là, qui a monté d'un cran. Vive le vent d'hiver, mais, qui a retenti Marcel Picot. C'est pas parce que vous faites monter une défenseuse centrale devant qu'elle devient un bon attaquant. Hein. Une bonne attaquante. Et voilà, ça y est, c'est fait pour la AS Algrange. Victoire dans cette Coupe de Lorraine 2014. Et bien voilà, elles auront tout réussi cette année. Elles accèdent à la première division. Elles avaient remporté 19 victoires en 22 matchs. Et là, elles concluent un magnifique parcours, en tout cas dans cette Coupe de Lorraine. Et elles battent pour la deuxième année consécutive l'AS Nancy Lorraine, qui, on peut le dire, est définitivement maudit sur ce terrain de Marcel Picot, Gabi. Oui, on dira quand même que sur la saison, c'est un parcours hyper positif de la part des Algrangeoises.
C'était une très belle finale, très indécise, surtout parce que Nancy a pris les choses en main durant cette première mi-temps et il n'aurait pas été scandaleux que Nancy ouvre le score. Ensuite, vous avez des saisons comme ça où même si vous êtes un peu moyen, eh bien, malgré tout, ça passe. Et allez, à la troisième, à la quatrième occasion, il me semble. Exactement. Vojdila fait parler la poudre. Elle a justifié sa réputation de buteuse. Et ensuite, ça a été une histoire de gestion. Il faut dire que quand même, il y a de la maturité, il y a du vécu. Au niveau algrangeois, on ne peut pas dire que dans les 20 dernières minutes, les Nancéennes auraient pu égaliser. Donc sur cette deuxième mi-temps, de la part des Algrangeoises, c'est mérité. Sur la saison, c'est encore plus mérité. Mais on a assisté à une belle finale grâce aux Nancéennes. Ouais, tout à fait. C'est bien dit, mon cher Gabi. Mais on a l'impression, c'est vrai qu'Algrange est sur un nuage. Quelque part, cette finale ne pouvait pas leur échapper. Elles sont sur la suite, la continuité en tout cas de leur dynamique actuelle. Tout leur réussit à ces Bleus. Et vous le voyez, le public, en tout cas les supporters algrangeois, ils sont à l'écran, qui vont eh bien, faire une petite aide d'honneur avec leurs supporters. C'est très sympa. Mais il ne faudra pas... Alors déjà, c'est... 15 jours d'exercice et le président Labatte, il a déjà une Coupe de Lorraine à son actif, c'est quand même pas mal. Mais bon, il ne faudra pas oublier quand même son prédécesseur, Merel, qui a fait du bon boulot dans la difficulté. Finalement, c'est une bonne chose pour Algrange et ça peut être un bon tremplin pour un redémarrage de tout ce club dont la vallée de la Fensch a énormément besoin. Et oui, tout à fait, un bassin de la sidérurgie, de la métallurgie, bien entendu. Des mines. Minier, excusez-moi. Vous savez aussi que c'est la cité aux 4 mines. Hein. Exactement. Alors, il n'y en a plus une d'ouverte. Malheureusement, depuis les années 60-70, une ville où se sont distingués, où sont nés certains grands monsieur. Je pense à Philippe Hinschberger, notamment. Oui, parce que il y avait l'hôpital et la maternité d'Algrange. D'accord, voilà. Donc, Philippe Hinschberger, son papa, qui était instituteur à Fontoy, et bien donc la maman a accouché à Algrange, qui était la maternité du coin. On va assister bien sûr au protocole avec cette belle image. Regardez cette haie d'honneur qui se prépare en tout cas pour accueillir les Nancéennes qui vont venir récupérer leur trophée. On rappelle Gabi, il y a un trophée de finaliste, il y a un trophée de vainqueur et il y a un trophée qu'on garde pendant un an et qu'on remet l'année prochaine, c'est bien ça. Voilà. Et les premières... D'ailleurs, la Coupe de Lorraine, vous ne pouvez jamais vous en emparer. Sauf si vous la gagnez 3 fois de suite. Ah, quand même. Non, 3 je fois sais de pas. Suite Il me semble, non. Ah bah, Algrange, ils sont bien partis alors. Eh ben écoutez, ouais, peut-être pour l'année prochaine. Il va falloir acheter une coupe du côté de la Lorraine. Le trio arbitral hein, qui est consacré et à juste titre, très beau match. Ouais, bien arbitré par Frédéric Neusch. C'est le président de la CRA, la commission régionale des arbitres, qui récompense les arbitres. Frédéric Neusch, je vous le disais, Clotilde Aucard, Aurélie Galland. L'arbitre remplaçante, c'était également une femme aujourd'hui, Ségolène Laminette. Et bien sûr, le délégué principal aujourd'hui, Joël Klein. Joël Klein n'est pas sur la photo finish. Mais en tout cas, voilà, elles auront très très bien arbitré. Et côté arbitre, je sais que dans la région Lorraine, on a de très bons talents. Et Monsieur Klein, le voilà, on en parlait tout à l'heure. Le délégué principal. L'organisation a été parfaite. Ah vraiment, c'est une belle fête. C'est une belle fête que cette Coupe de Lorraine. Et c'est pas fini, parce qu'à 17h30, je vous le disais, on va faire marcher la machine à calculette. Dans une heure à peu près, on va retrouver les hommes ici même sur ce terrain. D'ailleurs, on a sorti l'arrosoir pour un peu fluidifier le jeu, mettre un petit peu de jus. Et voilà les Nancéennes qui vont se présenter hein, pour aller récupérer... Ne me dites pas quand même qu'il n'y a pas l'arrosage intégré dans la pelouse. Eh ben apparemment non. Apparemment non. Ah, ou alors il est en stand-by. Il est en on est au Moyen-Âge en Meurthe-et-Moselle. Oh, c'est déjà pas mal qu'il y ait de l'eau. Hein. Oui, oui. Parce que du côté de Saint-Symphorien, c'est ça que vous voulez nous dire, Gabi. Du côté de Saint-Symphorien, tout avait été prévu. Non, on avait vraiment été super bien accueillis du côté de Marcel Picot dans cette jolie ville de Nancy. Et vous le voyez, les Nancéennes hein, qui vont passer une à une avec une dame que vous connaissez bien, mon cher Gabi. Oui, j'ai mangé à côté d'elle. Voilà, et c'est pour ça qu'on la connaît bien.
qui s'occupe notamment du développement du foot féminin dans la région Lorraine. D'ailleurs, à table, dans les conversations, elle n'a eu de cesse de nous interrompre pour parler des féminines. Exactement, exactement. C'est pas qu'on voulait pas en parler, mais... Et c'est très bien, ainsi. Elle a eu raison, en tout cas. Et je peux vous dire qu'elle connaît 10 000 anecdotes sur chacune des filles. Quelqu'un aussi bien, d'ailleurs, passionné par les femmes que par les hommes, c'est ce qu'elle a tout de suite insisté à me dire lors de ce repas, ce fameux repas qui va devenir célèbre désormais. Et on imagine, hein, beaucoup de déceptions quand même, hein, chez les Nancéennes. Perdre 4 finales d'affilée comme ça, ça doit quand même être terrible. Bah enfin, on va les consoler. Clermont-Ferrand, je crois qu'ils ont gagné à la 10e ou à la 9e. Oui, c'est vrai. En rugby. En rugby. En rugby, tout à fait. Ils ont attendu et Frédéric Biancalani et son adjoint Mamadou Ba. On le disait, deux garçons, deux chambreurs, deux compétiteurs. Et on le voit, Mamadou Ba, il n'est pas forcément très heureux, même si du côté de Frédéric Biancalani, on claque des bises. Là, il doit sortir une blague. Voilà, il a le sourire, je suis sûr qu'il sort une blague. Bon, ben, sa saison n'a pas été mauvaise, hein, non, loin de non, là. Non, hein. Très honorable, très très honorable. On rappelle une 6e place, hein, dans la 2e division féminine. Et on voit toujours, c'est toujours cette image qui m'interpelle. Lorsqu'on est 2e, généralement, on met la médaille et on la retire tout de suite. La coupe en chocolat, j'ai envie de dire, pour la SNL. Coupe de finalistes, on va quand même prendre une belle petite photo. Connaissant un ancien entraîneur des féminines algrangeoises, il m'a fait part quand même du travail que ça constitue de gérer un groupe féminin. Pas évident, hein, la gestion humaine est délicate. Alors, pour en avoir parlé avec plusieurs spécialistes, les filles, sans faire de généralité, hein, on n'est pas du tout dans un rôle. C'est pas parce qu'il y a deux garçons au poste de commentateur qu'on va rentrer forcément dans un rôle machiste, mais... On a proposé le rôle à... Oh bah exactement, à notre tweetos, exactement. Mais c'est vrai que les filles écoutent beaucoup plus les instructions, sont beaucoup plus à l'écoute et dans la reproduction, en tout cas, des consignes qui leur sont données. Mais c'est vrai que... Elles sont pour l'application de ces consignes. Exactement, c'est ça. Et par les coéquipières aussi, donc qui fait que la gestion est. Mais mentalement, elles ont besoin d'être un petit peu plus soyées. Moi, c'était une grande discussion qu'on avait eue avec un directeur technique national, notamment la Fédération française de football. C'est différent, forcément. Hein, c'est pas forcément pareil. Et vous le voyez. En tout cas, on a vu une belle finale de bon niveau technique. Et qui est resté à décider jusqu'au bout. Hein. Ouais, complètement. Il y a eu du suspense, hein, jusqu'à ce dernier quart d'heure qui aurait été fatal. Hein. À Nancy, vous les voyez. Je pense que si Nancy avait eu 15 occasions, Nancy n'aurait pas marqué. Parce que c'est une saison algrangeoise, c'est comme ça. Il y aurait eu un poteau, ben, il aurait été rentrant pour les algrangeois, mais sortant pour les Nancéens. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est la saison algrangeoise. Exactement. Les dieux du football étaient vêtus de bleu, en tout cas cette saison. Et aujourd'hui, ici, au stade Marcel Picot. Dans leur mémoire, qu'ils la mettent bien, qu'ils la pigent. Parce que. Il y aura peut-être des saisons un peu moins positives. Ça fait rien. Il y a de la joie, c'est en le sport. Cas. C'est le sport, il y a de la joie. Et c'est la capitaine Jennifer. Non, je n'y suis pas. C'est Justine Oswald qui va lever cette coupe et qui la soulève. Voilà la victoire donc dans cette coupe 2014. Cette coupe Lorraine 2014. Eh bien, l'AS Algrange succède à l'AS Algrange. La grande question, c'est est-ce que le FC Metz Algrange succédera à l'AS Algrange l'année prochaine ? Ça, on vous donnera bien sûr la réponse dans 365 jours, très exactement. On va faire une petite photo pour immortaliser ce moment. Ah, il manque la pluie de confetti, là. Hein. Ouais, en parler à l'organisation. On va en parler à l'organisation. Ça, c'est vrai que ça va voir. On va voir Emmanuel, là, parce qu'il m'a dit qu'il s'inspirait. De la Champions League, là. Le responsable développement de la Coupe. Le problème pour nettoyer des confettis sur du synthétique, ça ne doit pas être évident. Hein. Faut les ramasser après, hein. Si vous êtes chaud. Alors il y a un aspirateur, mais il va aspirer les billes de caoutchouc. Et c'est le président de Nancy qui va pas être content. En tout cas, l'ont bien mérité cette coupe. Ces joueuses de Algrange, la petite banderole justement pour conclure au mieux cette retransmission. On va vous dire deux choses, nous, de notre côté. C'est que le spectacle n'est pas terminé. C'était juste une mise en bouche, une entrée, comme on dit à table. Là, on va prendre une petite heure de repos. À 17h20, on prend la retransmission pour la finale homme. La finale homme qui va opposer l'APM Metz à l'ES Taon.
Et la petite stat, on vous le dit tout de suite, la petite stat, c'est que ces deux équipes n'ont jamais remporté la Coupe de Lorraine. Voilà, ça sera de l'inédit. Ça sera de l'inédit, donc venez suivre l'inédit avec nous. Et la petite surprise, je vous l'ai dit, c'est juste avant le coup d'envoi. Ce sera lui qui donnera le coup d'envoi. Un ancien grand joueur de l'Est Nancy-Lorraine, un consultant, ça vous dit forcément quelque chose. On se retrouve avec Gabi Dalvi tout à l'heure pour un grand match. APM Metz, ES Taon, 17h20, ensemble au stade Marcel Picot pour la grande fête du football en Lorraine. A tout de suite. A tout de suite.